Merci, docteur. Avant de la prononcer, je suis gentil de certains dans vos toilettes, vous n'allez pas. Je viens inviter le compatriote Roméo Lumine de France Gabonais à l'équipe qui est ça m'est très difficile de parler à la suite d'un pasteur aux convictions, aux communications. Mais bon, c'est pas seul à se le voir puisque je me suis engagé. Je m'en vais donc, je vous rappelle que je suis Léon Limite, président de Conscience Gabonaise. Et mon devoir ce jour est donc de vous rappeler, mesdames, messieurs, qui est monsieur Jean-Pin, qui est le président Pin. Alors, je commencerai par dire que Jean-Pin est né le 24 novembre 1942. D'un père d'origine chinoise, et précisément originaire de la région sud-est de la Chine, dans la région du Wenzhou, et d'une mère gabonaise, du nom de Marie-Germaine Anuna. Jean-Ping est donc né dans le département de Zimbabwe, précisément à Mwenzhou, pour ceux qui se souviennent de la géographie de notre magnifique pays. Jean-Ping, enfant, son père, M. Ping, à la suite de la situation de cette affaire, va donc prendre la décision de rentrer dans son pays. Bien entendu, un homme qui a fait l'enfant a envie d'amener son enfant avec lui. C'est sans compter avec les présenteurs culturels de nos pays, car à la veille même de son voyage, M. Ping, père, va faire un rêve, et pas n'importe lequel. Alors, M. Ping va donc, la veille de son voyage, faire un rêve dans lequel une femme vêtue d'un panier blanc et pointe le caoulin va lui dire que cet enfant appartient au fleuve, que son destin est lié à la terre du caoulin, car le moment venu, il devra gravir la montagne Osepine. Monsieur Ping, respectueux de ce qu'on appelle la tradition, car il faut bien que le peuple chinois est également un peuple très ancré dans sa tradition, pour qu'un peuple puisse se développer à partir des traditions venues d'ailleurs. On va donc comprendre ce message clair de ce que chez nous on appelle le goulou, et va donc décider, par amour de son fils, de rester au Gabon. Et c'est d'ailleurs sur cette terre donc, oui, qu'il va donc jeter à l'univers son dernier souffle, et la terre d'Ongwe s'offrira donc l'amour de l'ensevelir de son âme éternel. Pour ce qui est du plan académique, Jean-Ping va bien entendu commencer par le Gabon. Il va donc y faire ses études primaires, ses études secondaires, sanctionnées bien entendu, logiquement, par un baccalauréat. Et à la suite de ce baccalauréat, il va le Gabon reconnaissant ses enfants méritants, va donc lui offrir une bourse, payée par les consulats gabonais pour le préciser. Va donc lui offrir une bourse, il va donc venir à l'Hexagone en France, il va fréquenter l'université de Paris en Sorbonne, et au sortir de cette fréquentation de l'académie, Jean-Ping va être sanctionné d'un doctorat d'État en sciences économiques. Il faut préciser que ce doctorat, mesdames, messieurs, chers compatriotes, ne couvre aucune confidentialité. Aucune confidentialité. À la fin donc, on sortait donc de cette sanction positive, M. Ping
va de façon in extenso occuper les fonctions internationales. Il commence d'ailleurs en 72 comme fonctionnaire international à l'UNESCO. En 78, il est délégué permanent du Gabon à l'UNESCO. En 84, bien entendu, l'appel de la maison, l'appel du pays se fait plus fort et il rentre donc au Gabon où il occupe plusieurs postes ministériels, plusieurs responsabilités, dont celle de ministre des Affaires étrangères, donc celle du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et de la francophonie. Donc, M. Ping se retrouve en 84 au Gabon. Puis, en 96, l'appel de l'international se fait encore plus fort. Il faut dire que l'international était étroitement lié dans la destinée de M. Ping. En 96, il devient président de l'OPEP, du temps où le Gabon était membre de cette organisation. En 2004, M. Ping est choisi pour être le 52e président de l'Assemblée générale des Nations Unies. En 2008, il devient le président de la Commission de l'Union africaine, poste qu'il occupera du 28 avril 2008 jusqu'au 15 octobre 2012. Après donc ses fonctions internationales en tant que président de la Commission de l'Union africaine, M. Ping va décider de se retirer de la sphère politique pour se consacrer cette fois à ce que moi je me permets de qualifier de retraite intellectuelle. Retraite intellectuelle et bien entendu la gestion des affaires qui va, n'est-ce pas, donner la production d'un livre dont tout le monde a entendu parler, Eclipse. Sur l'Afrique, fallait tuer Kadhafi. Et je précise que l'auteur, s'il n'est pas, monsieur qui n'est pas l'auteur de ce livre, il a produit bien d'autres livres, tels que, permettez-moi juste de vous donner l'autre, voilà, tels que mondialisation, paix, démocratisation et développement en Afrique, l'expérience gabonaise. Ouvrage qui a d'ailleurs été passé par Hubert Vézine et paru aux éditions d'Armatan que vous pouvez trouver. Et juste une petite parenthèse, ce livre est écrit de la plume de Jean Ping et non pas par une autre personne, mais simplement signé par le seul auteur. Alors, à la suite de cette recherche intellectuelle, Jean Ping, il faut dire, n'a pas forcément connu une rivière tranquille. Parce qu'il va recevoir plusieurs messages, plusieurs lettres, dont une des plus virulentes, une étudiante gabonaise inscrite au département de sciences économiques de l'UOB, de l'Université Bongo, qu'on préfère appeler Université libre de Libreville. Et cette jeune fille, cette étudiante, va adresser une des lettres les plus virulentes parmi toutes celles qui étaient présentes qui ne sont pas courues. Pour moi, c'est la plus virulente. Mais de cette lettre, je vais plutôt retenir ce qui m'a semblé être le plus pertinent et surtout qui devrait plus encore attirer l'attention de M. Ping dans les missions qui sont les siennes, les missions aussi bien présentes que les missions à venir. Alors, la jeune étudiante dit ceci. Je dis. Alors, voilà, je l'ai retrouvé. Alors, elle dit ceci dans cette lettre, je cite. Monsieur Ping, le BDG n'a plus d'âme. D'ailleurs, en a-t-il jamais eu? Je vous appelle à votre devoir humain.
J'interpelle aussi le docteur en économie. Le pays est au bord du précipice. Mais ce pays, je vous interpelle, non pas pour moi, non pas pour mon petit ami, ni pour mes parents, mais pour ma fille, pour le fils de ma sœur et pour tous les enfants à l'avenir problématique. Prenez vos responsabilités, M. Pine. L'heure de mettre au service la pertinence d'un économiste n'était donc pas arrivée. Le moment pour vous de prendre vos responsabilités et de vous astreindre à la volonté du peuple gabonais n'est-il pas arrivé, M. Pine? Prenez vos responsabilités pour ma fille, prenez vos responsabilités pour le fils de ma sœur. Fin de citation. À la suite de cette lettre, et je suppose de plusieurs autres, présenteurs que je ne maîtrise peut-être pas, M. Ping, lettre qu'il a reçue en janvier 2012, à la suite de cette lettre, février 2014, M. Ping claquait de façon tonitruante la porte du PDG. Voilà, mesdames, messieurs, succinctement, le parcours de l'homme, le parcours du politicien, le parcours de l'intellectuel, la production est là. Mais je ne saurais terminer mon propos sans rappeler, je me permets d'insister là-dessus, M. Pink, parce qu'il a tenu à ce que je n'en fasse pas état, mais je me permets d'insister en tant que Gabonais. M. Ping a fait l'objet de plusieurs menaces, de plusieurs persécutions, aussi bien spirituelles, et je pense que le pasteur est mieux placé que moi pour parler de ça, des persécutions spirituelles, des persécutions d'ordre financier, on va vous fermer votre compte, des persécutions d'ordre physique. À plusieurs reprises, ils ont la bête, l'animal, à attenter à la vie de M. Pine. Aussi, mesdames, messieurs, distingués invités, amis du Gabon, voilà donc ce sentiment. J'ai essayé autant que possible, que je pouvais, à la suite du pasteur, de vous parler de M. Pine. Vous avez peut-être des questions que je répondrai ou que M. Ping décidera d'apporter des éléments qui seront nécessaires comme réponse. Je vous remercie. Alors, merci à Roméo. Président Ping, 7 décembre 2014, manière que vous avez eu le voilà aujourd'hui près de Tomaïti. Le congrès de Paris à vous êtes descendu au Gabon avec une demande à et suite à ce congrès, vous avez désigné mon affaire comme fortement rare, j'allais dire, de la résolution. Vous êtes arrivé dans ce Gabon, l'histoire nous rappelle qu'il y a eu le 20 décembre, la Mali, suite à laquelle il y a eu des arrestations, des mouvements, des interpellations, et comme vient de préciser aujourd'hui votre local aussi a été visité. Et aujourd'hui, on a l'opportunité, le privilège de vous avoir parmi nous ce matin à Paris. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette résolution du Congrès? Quel est l'état des lieux actuels de l'opposition aujourd'hui au Gabon? Et quelles sont les perspectives d'avenir? Président Bambi. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier. Et les autres membres de la CDJ d'avoir bien voulu m'inviter ce matin à prendre la parole. Je vais essayer d'être le plus court possible pour vous laisser avoir la possibilité de poser des questions.
comme il est de coutume, chaque fois que je sors du Gabon, lorsqu'il y a une communauté gabonaise qui souhaite me voir, je rends visite à cette communauté. Même s'il n'y a que 10 personnes. C'est arrivé, 15, 20 personnes aux États-Unis, je m'y rends, je me soumets aux questions qui me sont posées, questions de l'opposition comme de la majorité. Je voudrais donc vous remercier d'avoir bien voulu organiser cette rencontre. Je voudrais également saluer la présence dans cette salle du référent Joktan, qui est membre du Front, qui était ici déjà depuis quelque temps, qui reste encore, je crois, au-delà de ce mois. Et comme il était à Paris, j'ai estimé que, étant membre du Front, il était bon qu'il vienne prendre part à cette rencontre et éventuellement répondre à des questions qui pourraient lui être posées. Je voudrais saluer la présence des deux journalistes qui ont été victimes des persécutions du pouvoir. Jonas, qui est là, qui a dû fuir par le Cameroun, poursuivi, menacé de mort, et s'est réfugié à Douala avant d'arriver ici. Je voudrais vous dire d'ailleurs que son visa expire dans quelques jours, dans une semaine, et il risque de se retrouver dans une situation embarrassante. Tous ceux qui peuvent contribuer à l'aider à régulariser ses papiers ici devraient pouvoir l'aider. Il est là. C'est un parcours difficile, il a été poursuivi jusqu'au Cameroun. Et Désiré Enam, que vous connaissez tous, qui est le, je peux le dire comme ça, le propriétaire des Côtes du Nord, qui a subi plusieurs persécutions dans son histoire, également a été victime ces derniers temps de poursuites et a dû s'évader pour arriver en France. Mais lui, au moins, il a ses papiers en règle. Désiré Enam, peut-être que vous pouvez vous lever également. Je voudrais saluer la présence parmi nous de ceux qui sont venus de loin, de Bruxelles. Ils sont là, Loanis. Loanis et quelques-uns se sont déplacés de Bruxelles. Ils ont dû voyager la nuit, arriver ici et ils sont présents. Ils sont présents là. Je voudrais les saluer également, leur dire qu'ils peuvent être fiers de la lutte que Mokani Ouangou de l'UPG est en train de mener à Libreville avec les menaces aussi qu'il subit, notamment dans le front judiciaire. Je voulais saluer aussi la présence de la société civile, qui est la Marcona, est ici. Il mène dans le domaine qui est le sien un combat, j'allais dire, le plus souvent dans l'ombre. Et je crois que nous devrions lui transmettre nos félicitations et nos remerciements qu'il continue cette lutte. Merci Marc. Je crois qu'il y a d'autres compatriotes qui sont là, qui ne font pas partie nécessairement de la CDJ, mais qui sont présents ici, dans cette salle. Il y en a beaucoup,
Je ne vais pas les citer parce que je risque sans aucun doute d'en oublier, mais ils sont là, nombreux, soit au niveau des jeunes qui ont des ONG, mais aussi au niveau de beaucoup d'autres compatriotes qui contribuent à faire avancer le Gabon. Je veux saluer aussi nos adversaires que je vois dans cette salle, qui sont là. En leur disant que ce qui compte, c'est le Gabon. Ce qui compte, c'est le Gabon. Que vous soyez dans l'opposition, dans la majorité, ayez seulement la conscience que si ce que vous faites est bon, continuez. Mais si vous avez la conscience que ce que vous faites est mauvais, alors il faut un petit peu réviser votre position. Mais dans tous les cas, soyez les bienvenus. Alors, je ne vais pas être long, vous m'avez posé une question, je vais y répondre très rapidement sur le bilan. Lors du congrès de Paris, qui regroupait aussi toutes les oppositions, y compris le PDG, vous m'avez demandé, moi, Yérendon, Moukani, un certain nombre de collègues qui étaient venus de Libreville, de entreprendre un certain nombre de missions. L'une d'entre elles est d'ordre judiciaire, l'autre concernait la tenue du meeting du 20 décembre, et puis un certain nombre d'autres actions. Sur le fond judiciaire, Moukaïen Ouangou, qui est notre expert, s'est déployé sans compter sur tous les fronts concernant l'aspect judiciaire. Qu'il s'agisse de la plainte portée par Bengon Luc, contre les actes de défense de M. Ali, ou comme les faux et usages de faux. Trois plaintes ont été portées, l'une par Bengansi, l'autre par les membres du Front et la dernière par Moukani Ouangou concernant la convocation d'une haute cour pour juger de la trahison du chef d'État. Alors, permettez-moi de vous dire tout de suite que ça a été mal perçu à l'étranger. Je dois vous le dire. Très mal perçu à l'étranger. Parce qu'on a assimilé cette démarche à du xénophobie. On a assimilé ces requêtes à du xénophobie. On est allé jusqu'à comparer la situation du Gabon à celle de Côte d'Ivoire, que vous êtes en train de faire au Gabon, ce qu'on a fait à Ouattara, en Côte d'Ivoire. C'est donc très mal perçu. Je viens de Genève, où j'ai été participer à une conférence sur le contre-terrorisme et les droits de l'homme. Et des amis m'ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce genre de choses? Donc c'est très mal perçu, d'où la nécessité de recentrer le débat et de poser les vraies questions. Sinon, partout à l'extérieur, on sera mal compris. Mais au fond, que disent les Gabonais? Qu'ils ont tort, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison? Il dit ceci, Monsieur Ali, fils de président ou pas fils de président, Gabonais d'origine ou Gabonais d'adoption, a produit un faux. Ça, ce sont des faits. Il a utilisé un faux en 2009 et c'est ce qu'on lui reproche, l'utilisation d'un faux. Il paraît que lui-même a reconnu que c'était un faux. Donc, le vrai problème est là. Donc, il ne faut pas le transposer, il ne faut pas que nous-mêmes nous contribuions à le transposer à un débat xénophobe, mais à rester dans les aspects judiciaires du problème. Je voulais vous le préciser parce que vous êtes à l'étranger
et vous pouvez contribuer à redresser un certain nombre de choses, et il est bon quand même que je vous le dise. Je vous le dis sans problème, sans concession, parce qu'Ali veut me tuer. Probablement qu'il va y arriver. Mais ça, c'est son problème à lui. C'est pas le mien. Quand je serai mort, lui sera vivant et il ne tardera pas à me suivre. Donc je vous le dis sans concession que cet aspect-là n'est pas très bien perçu à l'extérieur. Surtout quand on utilise les mots biafrais, les mots ceci, cela, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est mal perçu. Mal perçu. Donc il convient de resituer le vrai débat là où il se trouve, c'est-à-dire le problème du faussaire. Voilà le vrai problème. Alors, le débat judiciaire, tel que vous l'aviez demandé, a été poursuivi jusqu'au bout. Vous nous aviez donné 7 jours, et avec Moukagni, dès qu'on arrivait à Libreville, on a relancé le débat, on est allé au tribunal. Vous demandez la suite de nos requêtes. Et le tribunal nous a répondu pratiquement le lendemain. Le lendemain, à la suite de notre requête mandatée par Paris. Évidemment, le tribunal a botté en touche en indiquant qu'il s'agit d'un chef d'État. Il n'appartient pas à une juridiction ordinaire de juger le chef d'État. Donc, ils ont botté en touche sur les deux plaintes. S'agissant de la plainte d'Iwangou, ils ont dit la haute cour de justice qui est chargée de traiter de cette question n'est pas une cour juridictionnelle ordinaire. Il s'agit d'une cour convoquée par le président de la République lui-même, comprenant 3 députés, 3 sénateurs et le reste des magistrats. Donc, c'est le président de la République qui convoque. Donc, vous pouvez comprendre qu'il ne convoquera pas. Quand même, avec M. Iwangou, nous sommes allés déposer les plaintes au Parlement, déposer les plaintes au Sénat et déposer les plaintes à la primature, en demandant au Premier ministre de convoquer la Haute Cour, puisque pendant les intercessions, et c'était le cas, il a la possibilité de le faire. Vous connaissez la suite, personne n'était d'ailleurs naïf. Mais je voudrais vous dire que la partie judiciaire a été poursuivie au-delà de ce que vous pouviez penser et vous pouviez estimer. Et Moukagni, qui est notre expert en la matière, a fait son travail au point qu'il est maintenant persécuté. Alors, je crois qu'il faut rendre hommage à Moukagni Iwangou et aussi essayer de lui apporter l'aide nécessaire. La partie meeting du 20 décembre, vous nous aviez donné des missions précises. Dès qu'on arrive à l'aéroport, on prononce un discours que vous aviez vous-même écrit, que je n'ai fait que lire, ce que j'essaie, et le lendemain, convoquer une conférence de presse. C'est vous qui avez décidé de cette conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, nous devions annoncer la tenue du rassemblement du 20 décembre, du meeting du 20 décembre. C'est toujours vous qui avez décidé de cela. Nous l'avons fait exactement selon le chronogramme que vous nous avez prescrit. À l'aéroport, on l'a fait, etc. Et nous avons préparé le meeting du 20 décembre. Nous avons demandé les autorisations nécessaires au ministère de l'Intérieur. Même au-delà de ce qui était requis. Nous avons dit, pour être tranquille, il vaut mieux demander tout, même à ceux qui ne sont pas ceux qui devraient nous donner les autorisations. Et puis, nous avons appris que le meeting serait autorisé. Et 2 jours avant, nous apprenons, j'allais dire,
comme ça, par un communiqué, que le meeting est interdit. Normalement, l'interdiction doit être prise par un décret, un document, notifié au demandeur, c'est-à-dire notifié aux membres du fonds qui en avait fait la demande, et même motivé, notifié et motivé. On n'a jamais reçu donc de demande d'interdiction. Et de toute façon, le meeting devait se tenir deux jours après, et le meeting s'est tenu, avec toutes les conséquences que vous connaissez. D'abord, Boulouetta a été abattu de 100 fois par un agent de sécurité cagoulé, en plein jour, en tirant, nous avons les photos, tous les gens, ceux qui étaient présents. Ensuite, il a été transporté dans une voiture marquée MDF, c'est-à-dire ministère de la Défense nationale, transporté non pas à la morgue, mais à la gendarmerie. D'ailleurs, le reste, vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous le décrire à nouveau. Vous savez tout ce qui s'est passé. Vous savez même le contentieux juridique qui est là, parce que la famille voudrait une contre-autopsie et que cela est refusé. Donc le corps est toujours à la morgue. On ne connaît pas la date de sortie du corps et nous en sommes là. Mais pendant que nous étions à la manifestation, on nous annonçait, ah, il y a un deuxième mort, il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième, il y a un sixième. On nous a annoncé qu'il y avait six morts. Mais contrairement au cas de Mouroubeka qui était identifié, les autres corps n'ont pas été identifiés. Les réclamations, nous les attendons pour avoir des noms. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé une enquête internationale indépendante. International indépendant pour venir faire la lumière sur les événements du 20 décembre. Enquête internationale indépendante. Pourquoi? Parce que nous avons vu ici comme ailleurs, à Port-Gentil, ailleurs, un parent qui est, mettons, en Homoué, dont l'enfant est parti sans dire aux parents pour chercher du travail. Les parents ne savent même pas où il est. Il est à Libreville. Et il ne correspond pas avec les parents. Il meurt. Qui va réclamer son corps? Ensuite, il y a les parents qui savent que leur fils a disparu. Mais la peur, qui va réclamer son corps au risque d'être à son tour tué? Donc, nous ne savons pas s'il y a eu, combien de morts exactement il y a eu. Et c'est pour cette raison que nous demandons une enquête internationale indépendante qui vient non seulement voir les problèmes des morts, mais également les enquêtes sur les circonstances de cette mort. Et le meeting s'est achevé, comme vous savez, je peux entrer dans les détails, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous lisez tous les réseaux sociaux, vous entendez tous ce qui est dit par-ci, par-là, ici. Au Gabon, ce n'est pas la même chose, mais ici, vous avez les moyens d'information sophistiqué. Voilà ce qui concerne le meeting du 20 décembre. À partir de là, que faire? C'est la question que vous vous posez. Que faire? Et souvent, quand vous êtes loin de la réalité, vous dites, continuez, continuez, continuez. Mais si on continue, il y a des conséquences. Il faut être suivi. Je crois que les gens estiment qu'au Gabon, dès qu'il y a un ou deux morts, c'est fini, tout le monde fuit. Et c'est pour ça qu'on en tue. En disant, pour casser ça, on tue un ou deux, puis ils vont tous dire, on va faire comment? Et alors, voilà le vrai problème. Et nous disons également que nous ne pouvons pas entreprendre une série de choses qui risquent d'entraîner des morts. Donc, il faut adapter la lutte aux circonstances du terrain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne tenons plus de meetings ouverts. Nous les tenons, des petits meetings, dans des endroits fermés, des propriétés privées, des jardins qui appartiennent à des gens, pour que
La police n'y entre pas. C'est ce qui est en train d'être fait maintenant partout. Les causeries, les petits meetings et nous avons vu que, comme le pouvoir s'attendait, la participation au meeting s'estompait. C'est ça aussi te dire compte de la réalité du terrain. Et un meeting qui a été tenu au siège, il y avait peut-être 300, 400 personnes. Mais depuis, ça monte. Au même siège, une réunion a été tenue pour célébrer l'anniversaire de 1, je crois qu'il devait être 2000. Là, le coin était trop petit. Des meetings se sont tenus chez Jean Ayriendong, la même chose. À Tinetsos, la même chose. La participation, les gens étaient comme vous, les salles trop petites, donc ils débordaient dans les rues et dans les coins avoisinants. C'est ce type de meeting que nous entreprenons à l'heure actuelle, en s'adaptant aux circonstances qui nous sont imposées par le pouvoir. Il faut que vous sachiez que le pouvoir a le monopole de la puissance d'État. Ils utilisent donc tout contre vous. Voilà. Par exemple, ils ont décidé de me tuer et de me menacer de me tuer. Je n'ai pas besoin de vous répéter ce qui est arrivé chez moi. Vous le savez, et ce serait trop long. Et menacer de me mettre en prison, c'est-à-dire que de victime, je deviens d'agressé, je deviens agresseur. Alors que la gendarmerie était présente chez moi ce matin-là. Le préfet de police, d'après les dires de la procureure, était là. Donc ils ont encadré tout ce qui s'est passé chez moi. Les jets de pierre. Et on a brûlé, et là, pasteur, on a mis un feu devant chez moi, on a mis de la banane, des trucs, c'est-à-dire que c'est le vaudou. La signature ne trompe pas. Tout ça a été fait devant chez moi. Et l'histoire est trop longue, donc on accuse l'agresseur, l'agressé d'être agresseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à côté des menaces de mort. Parce que devant, ils ont avoué qu'il y avait quelqu'un qui avait un couteau empoisonné. Si je fais sortir, couteau empoisonné. À côté de ça, il y a les menaces judiciaires. Tous les jours, je suis traduit au tribunal. Avec l'espoir qu'ils vont me condamner, parce qu'étant condamné, je ne suis plus éligible. Troisième type d'activité, essayer de me ruiner financièrement. Alors, ça part de quelqu'un, on dit celui-là, il est ami au fils de Ping, il doit être dedans, ruinez-le par un contrôle fiscal, par un redressement fiscal. Je crois que ce n'est pas un secret si je vous citais que Karl Nindungam, qui a son entreprise, est ami de mon fils. Il est là actuellement, ils vont le casser financièrement, ruiner son affaire, le pauvre. Il n'a rien à voir dans les activités politiques. Mais voilà comment ils vont opérer partout. Quelqu'un a un lien, de près ou de loin, avec M. Ping, on le casse, on le ruine financièrement. Combien d'innocents vont être comme ça, acculés à la faillite, à cause d'un lien supposé parfois, avec M. Ping. Moi-même, ils vont geler mes comptes en banque, ils vont tout faire, mais ça ne marchera pas. Je peux vous dire d'avance, ça ne marchera pas. Et donc, vous avez, bon, ils peuvent me tuer, ils peuvent me mettre en prison, ils vont essayer de me ruiner financièrement, ils essayent de diviser l'opposition. Et c'est là où je vous demande de ne pas tomber dans le piège. On accuse l'opposition. On accuse un tel qu'il est déjà en négociation avec le régime.
Ce que vous accusez là, c'est faux. Mais il y en a qui sont très vraisemblablement en négociation avec le régime. Vous ne savez pas, vous ne les soupçonnez pas. Mais vous soupçonnez les têtes, soupçonnez. Et là, vous faites le jeu objectif du régime. Si vous concentrez des critiques sur Miboto, vous faites le jeu. Vous faites le jeu du régime qui veut que l'opposition se divise. Et vous la divisez de cette manière-là. Je pense que ce n'est pas bon. Parce que si vous réussissez ce que le pouvoir veut, à diviser l'opposition par un certain nombre de critiques, vraies ou fausses, ce n'est pas ça le problème. Les critiques peuvent être vraies, peuvent être fausses, mais c'est le fait de participer à la démolition du front. Vous faites le jeu objectif du régime. Et le front que nous avons eu de la peine à constituer en une vingtaine de membres pour désigner un candidat va se retrouver avec 20 candidats. C'est ce que le régime veut. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Je ne vous dis pas il faut être vigilant. C'est la nature des choses. Il faut être très vigilant. Parce que les risques sont là. Vous pensez que certains sont déjà en négociation avec eux. Je crois que ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas les gens que vous croyez. Ils sont déjà en négociation avec eux. Alors, je vous dis que c'est de bonne guerre. Nous aussi, nous prenons à l'opposition. Des maisons vont sortir. D'autres vont sortir. Donc, s'ils sortent quelqu'un de chez nous, quel problème? Il n'y a pas de problème. Mais pourvu que l'essentiel du fond reste uni, que les objectifs du fond soient atteints. C'est lent, me diriez-vous, c'est vrai. Très lent, c'est vrai. Le peuple s'impatiente, c'est vrai. Mais c'est un processus qui n'est pas simple. Aidez-nous à le faire accoucher, mais ne participez pas à sa démolition. C'est ce que vraiment je voudrais vous dire avec toute la franchise voulue. Vous allez peut-être m'en vouloir, vous allez peut-être dire que je suis mou, que je ne suis pas vigilant, peut-être. Mais c'est ce que je crois. Même si vous aviez par hasard raison, il faut aider les choses à arriver jusqu'au bout. Vous allez me poser des questions, vraisemblablement. Nous sommes prêts à vous écouter. Aujourd'hui, le pouvoir attaque sur tous les fronts. Tous les fronts. À l'intérieur du pays, il gifle, il menace, il tue, en même temps, il caresse. On rétablit un, caresse, en estimant que ça va contribuer à brouiller, mais ça ne va pas contribuer à brouiller. On parle d'un dialogue. On amène les évêques à messe de prière pendant que vous tuez, pendant que vous assassinez, pendant que vous violez, pendant que vous faites des crimes rituels, vous dites allons prier. Évidemment, ça a foiré. Ça n'a pas marché. Comme vous aviez dit et comme le pasteur a dit, si vous ne respectez pas les lois de Dieu, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que vous avez reçu quelques millions, quelques milliards, que vous allez mettre entre parenthèses la foi pour pouvoir résoudre. Et je peux vous dire que les églises, comme les pasteurs, comme les églises éveillées, sont profondément divisées. Il y en a qui sont avec nous, qui n'acceptent pas ce que leur hiérarchie fait. Et il y a un monseigneur qui est parent de Boulbeka. Et qui est, j'ai été allumé à la messe, mais il est clair, absolument clair, dans la même lignée que la famille, dans la même lignée que l'opposition, dans la même lignée que le public, sur les conditions de l'assassinat de Mboubeka et sur la nécessité de faire la lumière sur cet assassinat. Je voudrais dire aussi que, tout naturellement, vous avez plusieurs écoles ici. Comme nous, à Libreville. Il y a le front, mais il y en a d'autres. Nous aussi ici, pardon? Nous aussi ici, vous avez plusieurs partis.
il y a la diaspora, la CDG, qui est la plus vue au Gabon et ailleurs, et qui fait un travail considérable. Mais il y a d'autres qui font le même travail, qui ne sont pas forcément de la CDG. Attirez-les, regroupez-les, de manière à ce que, comme nous au Gabon, on cherche l'unité, vous aussi ici, cherchez l'unité sur, évidemment, la base objective. Je ne vais pas vous dire de vous allier à des gens qui font un jeu qui n'est pas clair. Je crois que j'ai essayé de répondre à la plupart des interrogations posées en étant très clair avec vous. Parfois, je sais que je vais vous déplaire. Mais il faut que je vous dise un petit peu que là, les réalités du terrain sont compliquées. Vous savez, lorsqu'un pouvoir, un État voyou, qui a tous les leviers de commande, se met en branle, dans beaucoup d'autres pays, l'opposition a été contrainte à prendre le maquis. Donc, faut pas croire qu'il n'y a que les grands meetings qui vont permettre de régler un certain nombre de questions. Lorsque un pays, le Parlement, l'Assemblée nationale, il n'y a pas de voix d'opposition. Le Sénat, il n'y a pas de voix d'opposition. Ça commence à changer un peu. La presse publique, payée par nos impôts, devient un organe de propagande et de mensonge au service du pouvoir. Que reste-t-il? Malheureusement, la rue. Et la rue, ça ne donne pas toujours les bons résultats. Alors, aujourd'hui, je disais que le pouvoir entreprenait une série d'actions. Des gens comme moi, il faut les éliminer à tout prix, par tous les moyens. Et d'autres, on dit, allons-y au dialogue. La communauté internationale dit, allons-y au dialogue. Je suis persuadé que les trois quarts d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Le problème est le suivant. Est-ce que l'opposition peut refuser systématiquement le dialogue sans être accusée? Difficile. Difficile. Donc, l'opposition dit grosso modo ceci. Grosso modo, hein. Quand je suis parti, il commençait juste à réfléchir sur cette question. Grosso modo ceci. Bien que nous ne soyons pas demandeurs de dialogue, le principe d'un dialogue n'est pas mauvais en soi. À condition de savoir qui se situe dans quel cadre, quels sont les partenaires, quels sont les résultats escomptés? Qui sera le médiateur? Évidemment, ça ne peut pas être les évêques. Ce n'est pas possible. C'est passé, c'est fini. 90, c'était leur tour est complètement passé. On ne les appelle plus nulle part. Donc, mais qui sera le médiateur? Et quel est le résultat escompté? Alors, il apparaît, je ne sais pas si c'est toujours évident, que la médiation serait menée par une troïka composée de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Bon. Parce que le médiateur doit être consensuel. Quel sera le cadre de la négociation? Je crois que certains au pouvoir pensent au Conseil national de la démocratie. C'est impossible. Totalement impossible, parce que le Conseil national de la démocratie est une institution nationale qui a un président. Comment la troïka va s'introduire dans un organe comme ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont toutes ces questions qui sont posées. L'une des grandes questions posées est que vous nous demandez d'aller aux élections de 2016. Nous sommes tout à fait d'accord, à condition que vous nous assurez de la transparence des élections, que ça ne se passe pas comme en 2009, où le battu devient le vainqueur. Donc, toutes ces questions-là sont posées. Comment va-t-on y répondre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va vraiment aller au dialogue? Je ne sais pas. Mais je suis en train de vous développer un certain nombre de considérations sur lesquelles les membres du fonds travaillent. L'opposition a déjà,
l'opposition du pouvoir. Vous savez qu'on distingue l'opposition au pouvoir et l'opposition du pouvoir. L'opposition au pouvoir a déjà accepté. On les voit aller à la messe, on les voit participer à ceci, à cela. Mais ce n'est pas celle-là qui nous inquiète. C'est les membres du fond qui devraient rester homogènes, qui devraient aller ensemble, alors que les manœuvres de division s'opèrent. Donc, vigilance, mais pas de suspicion qui risque à faire beaucoup plus de mal que de bien. Voilà, à ce stade, ce que je voulais dire, et j'attends vos questions. Alors, merci, Président, pour cette éclairage.